Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le journal créatif de la semaine, votre vidéo préférée et c'est le numéro 59. Alors, d'abord je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne, qui se sont abonnés. Merci à tous, j'espère que les vidéos que vous voyez vous plaisent. On est à 8160 je crois. Voilà, donc c'est super, je vous remercie encore à tous. Qu'est-ce que le journal créatif? Eh bien, le journal créatif, je vous montre tout ce que j'ai fait pendant la semaine, que ce soit en broderie, en tricot, en crochet ou un autre loisir comme le coloriage ou s'il y en aurait d'autres par la suite. C'est Fifi. alors, vous savez que... 1 minute 24. Désolée, il y avait déjà une coupure pipi. Pas moi. Les nouveaux et nouvelles vont dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Non, c'est un de mes poilus. Voilà, bon, bah c'est fait. Alors, comme vous savez, chaque semaine, à chaque fois que je vous fais la vidéo, je tourne la roue pour savoir ce que je vais faire comme broderie dans la semaine. Sauf que en ce moment, le gang des Québécoises et certaines autres copines, nous faisons le September Sampler. C'est-à-dire que pendant tout le mois de septembre, on essaye de broder au maximum nos broderies qui représentent des samplers, des quakers, des patchwork. Donc ceux-là sont déjà mis d'office dans ma liste de la semaine et je tire en sort quand même quelques broderies pour faire en plus. Voilà, si j'ai assez de temps, comme ça j'ai encore des broderies supplémentaires pour faire mes petites croix. Alors, ceux qui sont mis d'office en ce moment pour le mois de septembre, c'est mon Long Dog Sampler, c'est le Two Men's Maurice, mon Sampler 151, je crois, non, 150, oh, je vous remarque, que je fais avec Sonia, les floralies de jardin privé, le sale est terminé, mais moi je suis très en retard, donc je continue. Mon Caroline Menning, c'est le Garden Gift. Mes pans royaux de Old Forest et mon Autumn Quaker. Donc ceux-là sont mis d'office. Excusez-moi. Voilà. Ceux-là sont mis d'office sur ma liste pour le September Sampler. Et j'avais tiré au sort, en plus, mon Fox de Cottage Garden, mon Salle du Nouvel An, qui est organisé sur mon groupe, le Tigre de l'UKS, si je ne me trompe pas, j'ai un trou. Mes hérons bleus de Lanart, Colibri de Poussière d'étoiles, et j'avais également mon Lily Point sur le thème des chats que je fais en duo avec Céline, ma confiture que je fais en trio avec Isa et Armel, et j'avais choisi en broderie estampée Madame Celtique de Noël.
Excusez-moi. Ça coince. Et j'avais aussi donc mon challenge. Je me fais un petit challenge perso, c'est-à-dire que je me prévois de broder au minimum 3000 croix par semaine. Donc, et j'ai bien sûr mes tricots et mon coloriage pour cette semaine. Je vous montrerai également, alors je ne vous le montrerai pas en entier, voilà. Excusez-moi. Il y a eu un achat. Mes projets, bon, je ne vous les montre pas parce que je vous ai fait une vidéo. Je vous remettrai le lien dans le petit où je vous montrerai mes futurs projets. Voilà. Et oui, il y en a toujours, hein. Et puis, je crois qu'avoir fait le tour. Alors, on va commencer par dimanche. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben, ça, non, mais je vais commencer par les petits. Enfin, les petits. Les petites pochettes. Ça ne veut pas dire que la broderie est petite, hein. Alors, le lundi. Il y a aussi donc la broderie du lundi. C'est une nouveauté que j'ai mis en place il y a quelques semaines pour avancer sur certaines broderies. Alors, je vous explique. Le lundi, je ne travaille que sur une broderie. Mais du coup, je ne travaille sur celle-là que toute la journée. Toute la journée, bon, sauf si j'ai un empêchement dans la journée, mais je ne garde que cette broderie toute la journée, et donc c'est ma broderie du lundi. Et cette semaine, la broderie du lundi, c'était le Fox de Cottage Garden. Hop, donc je vous remontre l'image. Je vous aurais certainement mis l'image, voilà, ce que je vous montre pas l'image comme ça en papier, je vous remettrai l'image à l'écran. Voilà, donc c'est celui-là. Ça fait partie d'une collection. Quand j'aurai terminé celui-là, peut-être que j'en ferai d'autres. Il y en a un qui me plaît beaucoup. Alors, je sais plus si c'est une chouette ou un hibou. Bon, c'est à peu près la même bestiole, hein. Il me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je pense que celui-là, un de ces jours, il sera sous mes aiguilles. Et voilà où j'en suis. Donc ça avance. Bon, j'ai pas fait le nombre de croix que j'aurais voulu faire. J'ai fait que 500 croix, voilà. Mais bon, lundi, j'avais rendez-vous chez le vétérinaire, donc ça m'a pris un petit peu, enfin pas énormément, ça m'a coupé ma journée, on va dire. Voilà, donc je n'ai pas pu faire vraiment le nombre de croix que j'aurais voulu. Mais je suis contente, il avance bien. Et je le trouve très très joli. Donc là, on voit le début de sa papatte à l'arrière. Là, sa patte de devant. Là, il y en a une autre. Pas de difficulté. Normalement, normalement. Tout est relatif chez moi. Donc, normalement, il n'y a pas d'erreur. Bon. J'avais effacé les erreurs que j'avais faites, enfin effacé, j'avais débrodé. Normalement, là, il ne devrait plus y en avoir pour l'instant. J'espère que ça continuera comme ça. Mais bon, vous commencez à me connaître, hein. Vous savez que moi, il y a toujours ma petite marque de fabrique sur mes broderies, c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite erreur quelque part. Mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai fait
500 croix. Voilà, j'ai fait 500 croix. C'est pas énorme, hein, mais voilà, c'est toujours 500 croix de faite sur cet ouvrage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez, je vais cocher comme ça. Je sais que je vous l'ai montré. Vous savez quoi? La mouche. Elle est là, la mouche. Je vais m'armer. Alors, on l'a cassé. Donc, on est obligé de le laisser ouvert comme ça. Enfin, je peux le plier. Voilà. Mais on a cassé le manche. Oh, c'est pas possible, ces mouches. En plus, il a fait très beau aujourd'hui. Donc, bah, elles n'ont pas envie de partir, hein, les mouches. Donc, si elle arrive, je suis armée. J'en ai marre. En plus, je sais que ça vous fait rigoler, mais... Ensuite... Mon duo avec Céline. Hop, oula. Alors, tous mes fils là sont mélangés, c'est pas bien. Ben, hop. Alors, c'est mon Lily Point, voilà, donc ma ronron thérapie que je fais. Alors, je fais en duo avec Céline, pas celui-là, mais on fait en duo un Lily Point sur le thème du chat. Je vous mets là, je ne sais pas, la photo du modèle que Céline brode, voilà. Par contre, cette semaine, je ne pourrai pas vous montrer l'avancée de Céline car elle a dû faire autre chose. Et du coup, elle n'a pas pu avancer sa broderie. Mais ce n'est pas très grave. Moi, j'ai avancé la mienne. Voilà. Donc là, j'ai dû bouger un peu le tambour. J'ai fait donc cette phrase-là et j'ai commencé la phrase d'en dessous. Alors, détendez-vous. Et là, le dernier mot, c'est opérer. C'est-à-dire... Alors, normalement, c'est détendez-vous et laissez la magie opérer. Voilà. Et là, du coup, j'arrive en bas. Je suis à la dernière phrase qui est en bas. Donc, cette semaine, je vais très certainement avancer le chat. Voilà, parce que là, il n'est fait que... Il y a un tiers du chat qui est fait. Donc, je referai une partie ici. Et je terminerai très certainement la phrase qui est là. Voilà. Mais j'aime toujours autant cette broderie. J'aime toujours autant la toile que j'ai choisie. C'est-à-dire une étamine 12.6 fil Vichy grise. Non, mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Il me reste un bout de toile. Je ne sais plus quelle taille. Mais il me reste un bout de toile. Je verrai ce que je ferai avec le reste. Je ne sais pas encore. Mais j'aime vraiment beaucoup. Alors, après, donc là, j'ai un peu plus de la moitié qui est... Bon, si je compte pas le chat, bien sûr. J'ai un peu plus de la moitié qui est fait, puisque là, j'ai déjà brodé, donc, vous voyez, petit endroit. Donc, il me reste ces trois mots-là, et après, il me restera plus que ça à broder. Voilà. Donc, c'est des broderies qui vont assez vite, du coup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. On va très certainement refaire un duo, toutes les deux. Mais pas tout de suite. On fera ça l'année prochaine. Excusez-moi. Avec le modèle
du café de Lily Point. Donc là, on brandera toutes les deux le même modèle. Je vous mets la photo. Alors, je me le marque pour pas oublier de vous mettre les photos. Voilà. Donc, on fera ça toutes les deux. Je ne sais pas encore sur quelle toile je le ferai. Bon, j'ai le temps hein, de choisir. On va commencer ça, je pense, peut-être en janvier. Voilà. Et là, j'ai pu voir que Lily Point a sorti une nouvelle toile, enfin, une nouvelle grille. J'adore. Je l'adore. Je vous montre la photo également. Donc, c'est la brioche parisienne. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce modèle. Bon, je ne me le suis pas encore acheté. Hein. On verra plus tard. Pour l'instant, de toute façon, je ne peux pas trop. Donc, quand je pourrai, je me l'achèterai. Et voilà. Et j'aime vraiment beaucoup les Lily Point. Donc, enfin, ce style-là. Voyez le café. Alors, il y a le café, il y a le thé. Moi, j'ai des Lily Point que j'avais commencé il y a très, 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 très longtemps. Ils doivent être en... Ils sont en haut, je crois. C'est pas je crois, c'est sûr, ils sont en haut. Mais je pense que je les recommencerai du début parce qu'il y a eu des erreurs aussi, tout ça. Donc, je pense que je les recommencerai un petit peu à la fois, je les referai. Il y a le thé, il y a les macarons, il y a les fraises. Qu'est-ce que j'avais encore commencé? Je ne sais plus le titre, mais il y a des citrouilles. Les citrouilles, je crois que j'ai perdu la grille. Il me reste la couverture, mais je crois que j'ai perdu la grille des citrouilles. Mais bon. Tant pis. Si un jour je la retrouve, voilà. Donc sur le Lily Point, j'ai fait 200 croix. Bon là c'est des mots, donc ça fait un peu moins de croix. Ensuite. J'ai continuer à travailler sur mon Caroline Menning. Voilà, c'est celui-ci, le Garden Gif. Voilà. Et voilà où j'en suis. Alors, j'arrive... Il me reste combien? Je suis à 45%. Autant pour moi. C'est vrai que le Caroline Menning, le pourcentage n'est pas bon. Puisque moi, je ne brode pas le fond. Donc là, je dirais que je suis à... Je sais pas, 80, 85%. Oui, je pense. Voilà où j'en suis. Donc, il est très bien avancé. Là, il me reste ici un petit peu à faire. Ici, un petit peu. Là, il me manque un point, tiens. Je le vois maintenant, c'est pas grave. Non, c'est où qu'il manque un point? Si, c'est là. Ouais, là, il manque un point. Faut que je termine le haut ici. Mais bon, ça va aller vite. Hein. Vous voyez, c'est pareil que le bas. Donc, et il me restera après le point arrière à faire ici. Dans les angles, je vous montre les couleurs, elles sont très très belles. Alors je cherchais comment j'allais le finir,
J'avais pensé à faire un petit coussin, tout ça, mais je vous avais expliqué que chez nous, on a beaucoup de poussière. Il y a beaucoup de poussière qui rentre dans les maisons. Et du coup, faire un coussin, ça m'embête parce que ça va le salir assez rapidement. Donc, je pense que je vais l'encadrer. J'ai déjà son cadre. J'ai un cadre qui fait 20 sur 20 cm. Donc, normalement, ça serait bon. Et je verrai quel passe-partout je mets, quelle couleur de passe-partout je mets. D'habitude, je mets souvent du noir ou alors je mets du... Comment ça s'appelle? C'est Julie qui boit. Oh, du marron, du craft. Voilà, couleur craft. Donc je verrai. Pas blanc, ça c'est sûr, puisque la toile est blanche. Je verrai. Mais bon, il y a encore un tout petit peu de boulot dessus. Mais j'aime beaucoup. Alors il y a Armelle qui le fait également. Je crois qu'elle est un petit peu plus avancée que moi. Je regarderai si elle a mis la photo sur le groupe et je vous remettrai la photo de... Excusez-moi, je marque en même temps parce que sinon j'oublie. Caroline Armel, voilà. Oui, j'arrive. Oh là là, ça y est. je vous mettrai la photo. Si elle l'a mis dans le groupe de son avancée. Donc là, cette fois-ci, sur mon Caroline Manning, j'ai fait 368 croix et j'ai déjà brodé 4948 croix en tout sur cette broderie. Voilà. Bon, deuxième pose pipi. Là, c'est les deux. Il n'y a pas un... Quand il faut y aller, il faut y aller, hein. Je suis là tout de suite. Re. Ah, il voulait pas rentrer. du coup, j'ai profité. J'avais une petite vaisselle dans mon lave-vaisselle. Ça y est, c'est rangé. Je suis tranquille. Il faut bien, hein, nouer l'utile à l'agréable. Enfin, l'agréable. Alors, ça, c'est bon. Je vous l'ai montré. Excusez-moi, je suis essoufflée. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ici. Là. Là, j'en ai pas la photo. Non. Donc je vais vous mettre la photo. C'est mon salle que j'organise. Que j'organise sur mon groupe de broderie. Quand vous cherchez, si vous cherchez le nom, enfin l'adresse du groupe, tout est en barre d'infos. Hein. Le groupe de Diamond Painting, le groupe de broderie, voilà, et partout où vous pouvez me trouver. Voilà où j'en suis. Bon, je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui dessus. C'est mon salle Alice au pays des merveilles. Là, pour finir l'étape, il me reste ici à descendre la frise. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait les objets qui manquaient, c'est-à-dire ici la paire de gants. Et le petit éventail qui est là. Voilà. C'est pas beaucoup. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai eu du mal à broder. Je vais vous montrer après. J'ai voulu faire une deuxième broderie. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment eu du mal à broder. Pourquoi, j'en sais rien. Mes yeux étaient un peu flous.
Bon, j'ai une très mauvaise vue, hein. Et aujourd'hui, mes yeux étaient un peu flous et avec la lumière, la loupe, tout ça, ben, j'ai eu vraiment beaucoup de mal aujourd'hui. Donc, arrivé à la deuxième broderie, j'ai pas insisté parce que j'avais vraiment une grosse gêne dans mes yeux et je dis, c'est pas la peine. Voilà, c'était pas la peine de se forcer. De toute façon, j'y arrivais pas. Donc sur celle-ci, alors on est à l'étape qui est là, mais bon, le mois de septembre n'est pas fini, hein. Voilà. Donc j'ai encore l'étape qui est ici à faire, c'est l'étape du mois de septembre, donc j'ai encore une petite dizaine de jours pour le faire. On verra. Donc voilà, j'ai fait la paire de gants et l'éventail. C'est vraiment pas beaucoup. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Alors dans les gants, je ne sais pas si vous... Ouais, ah bah si, là on voit. Vous voyez, il y a un petit point arrière pour marquer les doigts. Voilà. Celui-là. Alors, j'ai fait plus ou moins 150 croix. Pas beaucoup, hein, mais bon. C'est des croix quand même de fête. Voilà. Non, mais sinon, je l'aime bien. Alors, il est fait aussi sur une toilette. Bah, de toute façon, les trois quarts de mes broderies sont faites sur des étamines 12 points 6 fils. Et voilà, et celle-ci, c'est la vert olive. J'aime beaucoup, à chaque fois je le dis, mais j'aime beaucoup la couleur que j'ai choisie aussi pour faire cette broderie. Tout ressort bien, le blanc, le vert, le rouge. C'est vraiment top. Alors, cette broderie existe dans deux versions. La version comme moi je fais, c'est-à-dire en trois couleurs, et il y a une version multicolore. Moi, j'ai pas voulu faire la multicolore, j'ai pas voulu me prendre la tête. Trois couleurs, c'était très bien. Mais j'ai des filles qui font le sale, qui le font en multicolore. Il est très beau aussi en multicolore, hein, mais j'avais pas envie de me prendre la tête parce qu'il y a quand même beaucoup de petits objets, tout ça. Et donc, je m'y retrouve bien avec mes trois couleurs. J'ai une puce. Je m'y retrouve bien avec mes trois couleurs et c'est très très bien. Voilà. Hop. Donc la prochaine, c'est celle-ci. Voilà, ça va être... C'est celle-là. Voilà, donc il va y avoir une grande chaussure. Il y a encore une frise qui descend. C'est une autre là. Là, j'ai une frise de fleurs. Là, il y a comme des vagues. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Bon, on voit une tête, mais là, à côté, on dirait une souris. Ouais, on dirait une souris. Je me rappelle plus trop de toute l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi il y a des vagues avec bon, la tête de la petite fille, bah, ça doit être Alice sûrement, et une souris. Ça, je me rappelle plus, cette partie-là. Non. Alors voilà, vous voyez. Donc tout ça c'est fait, tout ça là ici c'est fait avec le lapin. Là c'est ce que je viens de vous montrer ici. Donc les deux gants, l'éventail. Et voyez la frise, elle descend à ras de la table. Donc il ne me reste pas grand-chose à faire. Et j'ai ça. C'est trois... Il y en a combien? Trois? Quatre? Ouais, il y a aussi un tout petit cœur. Bon, on va dire 1, 2, 3. Allez, on va dire 4 images. 4 motifs. Je vais y arriver. 4 motifs à broder et un petit bout de frise.
Si je m'y mets, je pense que je peux rattraper. Vous savez quoi? Ben, ça va être mon challenge. Que je rattrape mon retard et que je termine donc l'étape de septembre d'ici le 30 septembre. Là. Allez, pari tenu, je tape là avec vous. Je me dis que pour le 30 septembre, je suis à jour sur cette broderie. Voilà. Pari tenu. Bon, si je perds, je ne sais pas ce que je fais. Je ne veux pas dire que je vous fais le poirier devant la caméra, je ne sais pas le faire. Donc là, j'ai dit, ouais, un petit 150 croix. Hop. Alors, du coup, j'ai pas marqué là, mais là, je le marque, la broderie que je vais vous montrer après, mais j'ai rien fait. J'ai fait quoi? 20 croix. Donc c'est pas énorme. Alors, ça, tout ça, c'est montré. Je vais les mettre par terre. Hop. Oh là là, que la terre est basse, mes aïeux. Voilà. Je verrai plus clair. Ça, c'est quoi? Ah oui. Alors, je sais pas si je l'aurais fini pour le 30 septembre. le dessin, il est là. Voilà. Donc, c'est les ours de Noël. C'est un modèle de chez All Forest. C'est un modèle gratuit et c'est un sale que j'organise sur mon groupe. Et ce sale se termine ce mois-ci. Donc là, la dernière étape, c'était celle-ci. Voilà. C'est la grand... Alors, non, c'est... Si, c'est la... Non, c'est pas la grand-mère. C'est la maman. C'est la maman ours, là. Voilà. Donc, le sale se termine ce mois-ci, mais moi, je suis en retard. Dites-le tous en cœur. Je suis sur l'étape du mois d'août. Bon, j'ai pas un gros retard, hein. Voilà. J'ai terminé de broder. Alors, c'est qui ça? La grand-mère. Ouais, c'est la grand-mère. J'ai terminé de broder la grand-mère. Il me reste, bah, vous voyez, la petite frise fleurie qui va venir autour d'elle. Voilà. J'ai plus que ça à faire. Et ensuite, bah, il me restera donc la maman à broder. Et un bout de frise. Il y a la maman et il y aura un petit bout de frise là et la frise ici. Alors là, on ne voit pas bien, hein, mais voyez, je ne sais pas si vous verrez. Vous voyez, il y a des petites étoiles blanches comme des flocons de neige et il y aura une partie des sapins. Voilà. Septembre, ça va être juste là, je pense. Surtout si je veux être à jour sur mon Alice au Pays des Merveilles. Celui-là, on va se donner un petit challenge aussi. Écoutez, je vais me les marquer. Alors, hop, mon Alice. Oh là, ça. Oh, mon stylo, il bave. Il bave, il bave, il bave. Alors, mon Alice. Fini au 30 septembre. Voilà. Vous voyez, j'ai noté, hein, comme ça. Oh, la mouche et mes ours. octobre.
Ça me donne un petit 3 semaines. Donc j'aurais peut-être fini avant, j'espère. Mais je vais me noter fini au 15 octobre. Vous avez noté, hein? Comme ça, vous verrez si j'ai réussi. Voilà. Si je réussis, j'ai quoi? Dites-moi. Voilà. Donc, bon, elle est presque terminée, hein, mais... J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Donc, celle-ci, elle est brodée sur une toile étamine 12,6 fils, teinte émail, couleur jean. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est très chouette. Et donc j'ai fait combien? J'ai fait plus ou moins 250 croix. Voilà. Bah, 250 croix, c'est la moyenne que je me donne par broderie par jour. Donc ça va. Vous l'avez vu. Je bois un petit coup. On est à quoi? Un petit 40 minutes. Alors, ça c'est montré. Ah, ici. Je l'adore de plus en plus. Il faudrait que j'avance plus vite. Enfin, plus vite. Il faudrait que j'avance un peu plus dessus. Mais je l'adore. Je regrette pas de l'avoir faite celle-là aussi. Bon, ça fait déjà un petit moment que je suis dessus. Mais j'adore le réalisme. Alors, est-ce que j'ai... non, j'ai pas le dessin. Non, je n'ai pas le dessin là. C'est pas grave. Mais Hérons de chez Lanart. Je les adore. Ils sont trop, trop, trop beaux. Enfin là, pour l'instant, il y en a un. Le deuxième va venir ici au-dessus. Mais vraiment magnifique. Comme dirait... Vous avez compris. Non, mais j'adore vraiment. Même quand on le regarde de près, il est vraiment magnifique. Celui-là, il va être très, 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 très beau une fois terminé. Son encadrement. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je ferai comme, vraiment comme encadrement. Je pense que ce sera noir, noir, noir. Je pense que je prendrai un cadre noir avec un passe-partout noir pour que ça ressorte super bien. Non, mais il est vraiment magnifique. Oh, je l'adore. J'aurais avancé plus vite dessus. Mais alors dans celui-là, il y a des demi-points. Vous voyez, ici on a des demi-points, on a des croix bien sûr. Il va y avoir du point arrière. Là, je termine cette page-là. Là, je travaille par page, enfin par demi-page. Dès que cette demi-page est terminée, je vais faire les points arrière. Voilà. Comme ça, ce morceau-là, il sera complètement terminé. Et je disais ça pourquoi? Oui, il y a également des fils mélangés. Donc, un fil est d'une couleur et un fil d'une autre couleur. Et on brode
avec ces deux fils-là en même temps. Mais vraiment. Et en plus, quand on le brode, quand on prend un fil justement de couleur ou quoi, sur le coup, on se dit, on voit pas trop ce que ça va donner, mais si, après, une fois dans toute la masse, après, ça se voit. Mais il est vraiment trop, trop beau. Je l'adore. Alors, lui, j'ai fait... Ah, je l'ai fait là. J'ai fait environ 500 croix, plus ou moins. Puisque là, je le fais sur papier. Donc, voilà. Ah! Une puce à mon pied. Enfin, c'est pas une puce, on aurait dit qu'on m'enfonçait une aiguille en dessous du pied. Ah, ah, ça fait du bien. Quoi. voilà. Donc celui-là, trop trop beau. Ensuite. Ah bah, je vais vous montrer celui-là. C'est celui que j'ai fait cet après-midi. Et je vous dis, j'ai pas réussi à avancer dessus. J'ai dû faire 20 croix. J'ai pas le dessin non plus. Alors, j'ai fait 20 croix parce que je vous dis, mes yeux, ça n'allait pas trop cet après-midi. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui m'a embêté. Alors, attendez, il y a aussi que, je crois que je vous en avais déjà parlé. Voilà. Les fils sont sur ces plaquettes-là. Au début, ça allait. Bon, je n'ai pas encore fait beaucoup hein, sur cette broderie-là. Mais au début, ça allait. Mais rien que celle-là, par exemple. Ça me gave, mais là maintenant ça me gave vraiment. Et ce qu'il y a aussi, c'est que là-dessus, c'est les symboles. C'est pas marqué 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, je vais prendre le temps. Je sais pas si je vais le faire cette semaine ou la semaine prochaine, je verrai, mais je vais prendre le temps de tout. Bobinets sont des bobinettes parce que là ça je deviens folle et de au lieu de mettre les symboles de toute façon sur la feuille voilà sur la feuille avec les couleurs on a 1 2 3 4 5 6 etc. Et puis de toute façon moi je peux continuer à suivre là-dessus quand même et mettre sur mes bobinettes ou alors je vais non je vais mettre sur bobinette cela et je mettrai donc 1, 2, 3, 4, 5 en stickers parce que là je vous assure je pète un câble mais vraiment hein, je pète vraiment un câble. J'arrive plus avec les filmis comme ça, j'y arrive plus. C'est bien présenté hein, quand on le reçoit et tout, mais quand on a beaucoup de couleurs comme ça et beaucoup de changements de couleurs, c'est tout simplement une horreur. Alors, par contre. Ce que je vais faire, je vais tous les mettre sur bobinette, mais je vais prendre également un trifil. Alors j'ai des trifils où il y a énormément de trous. Je prendrai un comme ça. Et pareil, je mettrai un, deux, trois, quatre, cinq, etc. Parce que voilà.
voyez, quand il reste un bout de fil, moi je l'accroche là. Et c'est ça, c'est pour ça que, vous voyez, là, il y en a encore un. C'est pour ça que tout se mélange au bout d'un moment. Et comme ça, je vais prendre mon fil sur ma bobinette. Je vais couper la longueur que j'ai besoin. Je vais prendre mon fil. Moi, je brode avec un fil plié en deux. Et le reste, je le mettrai sur le trifil. Voilà. Comme ça, ben, on verra plus clair. Et j'avancerai beaucoup plus parce que là, alors je l'ai mis aussi dans ma tablette, mais je continue à travailler sur papier. Voilà ce qui a été fait seulement pour l'instant. Mais c'est donc à la base, je l'avais refait. Ah, ben le dessin à la base, vous voyez, c'est le tigre fleuri. À la base, j'avais déjà fait une première fois sur une première toile et j'avais brodé un peu plus. Je sais plus pourquoi j'ai changé. Pourquoi j'ai changé? Je crois que c'est qu'il y avait des erreurs. Ouais, je crois qu'il y avait des erreurs dessus et du coup j'ai changé de toile. Et donc voilà où j'en suis. Et voilà ce que j'ai brodé aujourd'hui. Vous voyez là, ça. Je n'ai brodé que ça. J'ai vraiment pas su broder plus. J'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. C'est la première fois que ça m'arrive à un point, à un tel point. Et là, en plus, c'est une. Alors, c'est une toile de lin. Mais irisé, donc pailleté. Et je sais pas, le reflet des paillettes, du coup, me gênait également. J'avais le reflet qui m'embêtait. Donc, du coup, je l'ai arrêté. On va pas faire d'erreur. On va pas se planter. Je l'ai remballé. J'ai dit, je le ressortirai une autre fois. Mais là, après, je n'ai pas fait de broderie aujourd'hui. J'ai juste fait donc mon Alice au pays des merveilles et les quelques points que j'ai fait là. Mais là, je vais la reprendre dès que j'ai mis tout ça sur des bobinettes. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Alors, je peux aussi récupérer les. Donc, je vous montre sur un qu'on voit bien. Parce qu'en plus, là, il y en a énormément. Et du coup, on a du mal à voir les symboles. Je peux récupérer également les symboles si je veux. Du coup, je peux mettre un sticker 1, 2, 3, 4, 5 et coller, découper le symbole et le coller sur ma bobinette également en plus. Bon, on verra comment je vais faire parce que là, ouais, c'est collé, c'est pas. Donc je vais juste le couper puis le recoller. Mais donc je vais essayer de faire ça cette semaine, peut-être le soir en regardant la télé. Et dès que c'est fait, je reprends ma broderie. Parce que j'ai envie vraiment de le faire. Ce tigre, il est magnifique. Je ne suis pas toute seule à le faire. Il y a Sonia, ça je sais. Geneviève, peut-être. Je ne sais plus. Mais on est à plusieurs à le faire. Voilà. Je ne sais pas quelles sont leurs avancées. D'ailleurs, les filles. Si vous pouviez me montrer les avancées de vos tigres, j'aimerais bien. Voilà. Donc, je vais remettre tout ça sur bobinette. J'ai une autre broderie qui est comme ça aussi. C'est l'aquarium. Donc, je pense que l'aquarium, je ferai pareil également. Que je mettrai aussi sur bobinette. Je parle tellement que j'ai soif.
Je voulais montrer. Ah, les ronds aussi, je voulais montrer. J'avais oublié de le cocher. Là, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Ici. Alors là, il y a, que je ne me trompe pas, il y a Sonia de la chaîne Diamant Rose qu'il fait. Il y a également Amélie de la chaîne Dazing et Diamants qui le fait. Elle a pris le train en route, mais voilà. Et il y a donc Geneviève qui le fait également de la chaîne Once Upon a Trade. Comme d'habitude, hein, je vous mets les liens des chaînes en barre d'infos. Et je sais qui. Alors, j'espère ne pas me tromper. Il y a également Jolie d'épée qui le fait. Voilà, elle le fait toute seule, mais je sais qu'elle le fait également. Et du coup, c'est sympa de voir d'autres copines en train de faire une broderie que vous êtes en train de faire. Et c'est le Languedoc Sampler Two Mains Maurice. Voilà, donc c'est celui-ci. Très joli modèle, comme tous les Languedoc. Hein. Il y a des modèles magnifiques. Il y en a d'autres que j'aimerais bien faire, mais bon, on va se calmer un petit peu. Hein. On va d'abord terminer des choses. Celui-là, je le fais sur une toile de lin. 16 fils. Voilà. Et voilà où j'en suis. Alors, la petite touche d'édite. Il y a une toute petite erreur. Une toute petite. Mais je ne l'ai pas trouvée. Donc, excusez-moi, il y a une toute petite erreur, mais comme je ne l'ai pas trouvée, bah, j'ai dit, ça se voit pas. Voilà, de toute façon, je ne vais pas vous la montrer. C'est une erreur d'un point. Voilà, donc, bon, celles qu'ils font en même temps que moi. Verront peut-être l'erreur, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'elle trouve mon erreur. Voilà. Mais il y a juste une erreur d'un point. Ça décale pas tout. Ça a juste décalé une toute petite partie, mais vraiment minime. Et voilà. Je le brode avec un fil multicolore de chez DMC. Donc, Nuit canadienne, c'est celui-ci. Il est magnifique. Ce n'est pas un variation, hein, c'est un multicolore. Chez DMC, il y a des multicolores et des variations. Il est trop beau. Et j'aime beaucoup faire ce modèle. Donc, il fait partie. Alors, je ne vous ai pas dit, mais. Alors, il fait partie du September Sampler. Hein, voilà. Alors, j'essaye de vous montrer les couleurs. Voilà. Il est superbe. Alors, lui. Ah ben, j'ai fait 253, tout rond. Là, c'est tout rond. J'ai déjà brodé 2873 croix et je suis à 7,31%.
Voilà. Il m'en reste combien à vous montrer? Alors, celui-là, je vous l'ai montré. Donc, il m'en reste 1, 2, 3. 3, 3, 3. 4. J'ai encore 4 à vous montrer. Allez, celui-ci. C'est le Autumn Quaker. Alors, je vous montre le dessin. Voilà, c'est celui-ci. Trop beau aussi, magnifique. Moi, j'aime bien tout ce qui est Quaker, Simpler. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les broderies anciennes. Donc, celui-là, il est de Karen Kluba. Et on le brode avec les fils Valdani. Ce sont ces fils-là. Voilà. Pardon. Des fils magnifiques. Donc, celle-là, alors, je sais qu'on est plusieurs. Donc, il y a moi, bien sûr. Il y a Sonia. Il y a Geneviève. Ici qu'il fait encore Letty, Letty peut-être de la chaîne Les Loisirs de Letty, Pascal, mais je suis pas sûre, je suis pas sûre que Pascal le fait. Est-ce que je l'ai marqué dans mes petites tablettes? Est-ce que je l'ai marqué? Non, j'ai pas fait ma liste. J'ai pas noté pour celui-là. Ah, c'est dommage. Ah, le sampler que, tout au début que je vous parlais, c'est le 124. Voilà. Bon. Non, je ne l'ai pas marqué. Je ne l'ai pas marqué. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je vous dirai. Donc, voilà où j'en suis. Alors, je le brode sur une étamine. Alors, ça doit être une 14 fils, celle-là. Faut que je remets mes fiches à jour. Elles ne sont pas à jour. Mais je crois que c'est une 14 fils. Est-ce que je ne l'ai pas marqué quelque part? Des fois, je marque des trucs à droite, à gauche. Non, c'est une 12,6 fils. C'est une Murano. Ouais, c'est une Murano. Voilà. Non, dans l'autre sens, c'est mieux. Donc, voilà. Regardez-moi ces changements de couleur, comment ces variations, ils sont vraiment tip-top. Alors celui-ci, alors moi je, alors je dis moi parce que Sonia, elle, alors c'est des bobines ici, des bobines Valdani, ce sont des fils de 3 brins. Moi j'avais acheté ce kit, enfin tout l'ensemble, sur la boutique de Mère en Fille, et j'avais demandé à Noémie, j'avais dit, parce que j'avais pas trouvé d'explication sur les patrons. Attendez. Je crois que c'est Sonia qui a raison et c'est Noémie m'a dit, alors c'est pas écrit en français, donc attendez une seconde, je vais mettre le traducteur sur la tablette. Traducteur.
Si elle veut, voilà. Est-ce que ça va aller? Tout accepter. Non, je veux pas le faire comme ça, je veux le faire. Ah, voilà, en image. Non. Bon, c'est pas le bon. Excusez-moi, hein. Alors, je vous explique. Moi, Noémie, donc de la boutique de mère en fille, elle m'a dit que ça se brodait en deux fils. Le temps que ça charge. Donc, moi, je le brode en deux fils. Et j'ai vu dans la vidéo de Sonia cette semaine qu'elle le brodait en trois fils. Donc, elle ne sépare pas ses fils. Ben, du coup, j'ai un doute. Du coup, j'ai un doute de savoir s'il faut le broder en. Bon, maintenant, c'est tout. Moi, il commençait en deux fils, je continuerai en deux fils, hein. Je ne vais pas recommencer. Hein. Déjà que j'ai dû le recommencer. Vous vous rappelez, j'avais coupé ma toile alors qu'il ne fallait pas la couper. Voilà, ça y est. Et du coup, ben, j'ai un doute. Alors, on va prendre la photo pour traduire. Allez, ouvrir, autoriser. Ah, quand même. Voilà. Là, je l'ai en français. Alors, si vous achetez un tissu, cependant, le fil à trois brins suggéré ne fonctionnera pas bien si vous utilisez un tissu d'un nombre de fils plus élevé, à moins que vous ne les sépariez. Parce que là, ils nous disent qu'il faut le broder avec une toile de 28 CT. Moi, je sais c'est combien, moi. Je sais plus combien c'était le 12,6 fil. Remarque, utilisez les trois brins de fil tels qu'ils sortent de la pelote. Il n'est pas nécessaire de les séparer, sauf pour le point arrière. Et les œillets algériens qui nécessitent un seul brin de fil. Bon, donc il fallait le faire en trois fils. Ah, tant pis, je continuerai en deux fils. Ouais, j'ai pas. Bah, moi, je me suis tenue à ce que Noémie, donc la boutique de mère en fille, m'a dit. Et du coup, comme c'était écrit en anglais, elle m'a dit deux fils. Bah, j'ai fait du deux fils. Mais non, il fallait le faire en trois fils. Mais bon, là, j'ai trop avancé pour recommencer, hein. En plus, le fil coûte quand même assez cher. Donc, je vais pas m'amuser à recommencer à chaque fois. Voilà. Bon. Donc, si jamais vous seriez à faire ce modèle, je vous le remontre. Voilà. Sachez que si votre toile fait bien 28 CT, comme il préconise, il faut le broder en trois fils. Donc, votre fil sur la bobine, lui, bah, il fait trop, faut le broder en trois brins. Voilà. Un fil compte trois brins, donc il ne faut rien séparer. Vous coupez juste votre longueur, mettez dans l'aiguille et vous brodez. Bon, de toute façon, moi là c'est du deux fils, c'est vraiment nickel, hein. J'ai rien à dire.
Voyez, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais oh là là, ce changement de lumière, c'est bon. C'est vraiment. Non, c'est top quand même. Hein. Mais voilà, bon, j'ai fait confiance à Noémie. Et puis, bon, c'est pas très grave, il n'y a rien. Je trouve que de toute façon, le résultat est très bien. Les croix sont bien pleines. Donc, bon, c'est la seule chose, c'est vrai, c'est que comme j'ai suivi ce que Noémie me disait, je partage mes fils, je partage mon fil. Et du coup, je me retrouve avec à chaque fois un seul brin de chaque couleur. Donc là, j'ai mis les références. Quand j'aurai terminé la broderie, tout ça, je vais le bobiner. Et puis quand j'aurai une broderie à faire, des petites choses, voilà, avec un petit peu de variation, bah, je me servirai de ces fils-là. Ils ne seront pas perdus. Voilà. Bon. Pour moi, ce n'est pas une erreur, c'est juste, bon, j'ai écouté Noémie, et puis voilà. Donc, bah Sonia, je pensais que c'était toi qui avais fait une erreur. Mais non, c'est moi. Bon, pas grave. Je fais une pause de pour vous d'un dixième de seconde, pour moi une minute, le temps de ranger ces broderies et on continue. Je vais continuer en vous montrant donc mes broderies qui sont sur les grands cadres. À tout de suite, ne partez pas. Me revoilà. Oh, j'ai oublié de rallumer ma lumière. Oh, ça fait bobo aux yeux. Alors maintenant, les grandes broderies. J'aurais dû les sortir, bien sûr, mais bon. Hop, mets-toi là. Mes pans royaux. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Oui. Alors, tire un peu la toile. Voilà. Alors, vous rappelez la semaine dernière, j'étais sur cette frise et je n'avais pas terminé, bien sûr. Je devais être là à peu près, je crois, mais je vous mets la photo comme d'habitude. J'ai terminé ma frise. Voilà, elle est faite. Donc, la frise, je me brode avec deux centres de fil. Je brode avec, c'est la même couleur, c'est du 550, c'est du DMC. Je brode avec, comme ici, le fil coton mouliné 550. Et la frise est ici, bon, le bitonio, là, hein, j'ai perdu le nom. Je brode avec le fil. Oh là là, étoile. Le fil étoile, pareil, mais c'est le C550. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir si ça brille. Non, on ne voit pas, on ne voit pas. On ne voit pas. Oh. Bon, c'est pas grave. Donc là, ça brille et les deux frises, elles brillent également. Voilà, là vous voyez bien tout. J'aime beaucoup ce modèle. Pareil, parce que c'est style ancien. J'aime vraiment beaucoup. Très, très agréable à broder. Je le brode sur une toile étamine 12,6 fils. Vous voyez, c'est marbré, c'est vintage rose. Voilà. Et c'est vraiment très agréable à faire.
Mais en plus, comme c'est un, on va dire, c'est un monochrome. Fatiguée là, Didite. C'est un monochrome, donc il n'y a pas de prise de tête, de changement de couleur ou quoi que ce soit. Sauf quand ben, je brode avec le fil étoile. Mais quand je fais le fil étoile, c'est un motif en entier. Donc c'est pareil, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, j'aime vraiment beaucoup. Bon, il y a encore du taf hein, dessus. Celui-ci, alors, je l'ai fait quand? Je l'ai fait jeudi. Bon, je n'ai fait que 218 croix, mais je voulais terminer la frise. Donc, bah, c'est chose faite. J'ai déjà brodé 6870 croix et je suis à 21,41%. Voilà. Alors, pour ceux qui me poseraient la question, comment tu fais pour compter tes points? Quand je vous donne le nombre de points, mais comme ça, détaillé, le nombre de points du jour, le nombre de points total et le pourcentage, c'est parce que c'est une broderie que j'ai installée sur mon logiciel Pattern Keeper. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Bah, rien. Il va se continuer tout seul, comme un grand. Voilà. Non, mais il est vraiment. Bon, il est grand, hein, c'est un grand modèle. Mais voilà, il est très très bien. Alors, celui-là, ben, je vous l'ai montré. Donc, je peux le cocher. Voilà. Ensuite. Non, c'est pas celui-là qui est dans l'autre sac. Ici. C'est un duo que je fais. Alors, il est dans quel sens? Il est dans ce sens-là. C'est un duo que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. C'est le sampler 124, donc c'est bien celui-ci. Et là, on fait 300 croix par semaine, pas une de plus. Donc on avance. Donc là, on a fait le plus gros morceau, là, il est terminé. Enfin, on va encore avoir un carré, je crois, qui aura quand même du taf dessus, mais je pense que c'est celui-là le plus grand. Et là, donc, on est en train de faire ces deux carrés-là plus la frise. Donc, la frise est terminée. Là, le carré est fait ouais, au trois quarts, presque au trois quarts. Et après, il me restera celui-là. Donc, pour savoir quel carré on va faire, je fais un tirage au sort. J'ai partagé la grille en plusieurs cases. Et donc, quand on termine complètement un carré, je fais un tirage au sort avec la roue et je dis quel carré on va faire. Alors, j'ai une abonnée qui l'a commencé aussi. Pardonne-moi, j'ai oublié ton prénom. J'ai une très mauvaise mémoire des prénoms, hein. C'est terrible. Donc j'ai une abonnée qui a commencé à le faire aussi et qui le fait avec mon système. Donc elle va suivre les cases que nous on fait. On va attendre, hein. Voilà. donc elle le fait avec les cases que moi je tire au sort. Je le fais en trois couleurs, donc on le fait toutes les deux en fil étoile. Moi, j'ai un bleu marine, un turquoise et un jaune. Voilà. Et je vous montre le modèle de Sonia. Elle le fait pareil en fil étoile avec un fil gris clair. Moi, il est fait sur une toile. Je vous aurais remis la photo des deux. Hein, c'est moins lourd. Moi, c'est fait sur une toile étamine 12,6 fils bleu canard.
Et Sonia le fait sur une étamine 12,6 fils également, mais couleur rubis. Voilà. Donc, on en est toutes les deux au même stade. Donc, on a fait 300 croix cette semaine. On est à 5124 croix en tout et à 13,13%. Voilà. Bah celui-là, on continue, hein, nos 300 croix par semaine. Donc, il fait partie. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais bon, les pans royaux, le sampler, tout ça, ça fait partie de notre petit challenge du mois de septembre, le September Sampler, hein, bien sûr. Celui-là, c'est bon, je vous l'ai montré. Alors, voilà. Je me marque parce que j'oublie beaucoup en ce moment. Tic, 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 tic. Ici, toi, viens là. C'est rien. C'est pas grave. Attendez, juste le temps que je remets, c'est mon aimant qui est parti. Voilà. C'est bon. J'ai avancé. Il y a tellement de toiles sur ce modèle, regardez-moi ça. Quand tout ça se sera brodé, ben, on pourra dire que j'ai bien travaillé. C'est mon HAED du paysage. Voilà. J'avais. Alors, la semaine dernière, je crois que je vous avais déjà dit que j'avais commencé la deuxième montagne. Et j'ai continué ici. J'ai fait un morceau du ciel. Je vous avais dit également hein, que maintenant j'allais faire un petit morceau là, un petit morceau là, bah, pour que le ciel avance également. Donc c'est ce que j'ai fait cette semaine. Voilà. Qu'est-ce qu'elle me fait? Bon, ça va. Donc voilà. Je suis contente, c'est que la montagne avance bien ici aussi. Donc c'est fait sur une étamine 12,6 fils. Elle est couleur blanc cassé, mais bon là la couleur n'a pas trop d'importance puisque ce sera une couverture totale. Donc on ne verra pas une fois qu'il le jour. Je ne vous dis pas quelle année, mais le jour où il sera terminé. On ne verra plus la toile. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, le HAED, j'ai fait 523 croix dessus. J'ai déjà brodé 8345 croix. Et je suis. Oui, moi, et je suis à 6,17%. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il y a encore du taf. Voilà. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, hein, quand on voit la toile. Alors, ah, attendez, j'ai fait une bêtise là. C'est rien. Hop, voilà. Quand on voit la toile, vous voyez, il y a. Là. Je sais plus combien elle mesure, mais voilà. Là, ça c'est la longue, la hauteur. Voilà. Bah, là, il y en a encore autant que là, même plus. Et la largeur. Voyez. Alors, le pire, c'est que vous avez vu la grandeur de la toile. C'est que le jour où il sera, si j'arrive à le finir un jour, on ne sait jamais, hein, c'est quoi en faire après? Un coussin, c'est impossible parce que ce sera beaucoup trop grand. Au niveau de l'encadrement, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais bon, on verra hein, quand on y arrivera. On n'y est pas encore.
Mon Dieu, non. Alors, HAED, c'est bon, je vous l'ai montré. Celui-là aussi. Je crois que là, niveau broderie, je vous ai tout montré. Oui. Donc, je n'ai pas travaillé sur plusieurs parce que ben, là, du coup, je n'ai pas fait mes estampés. Alors, la confiture, non, j'ai pas travaillé dessus. Il faut que je rattrape mon retard. Alors, Isa, comme on fait en trio, c'est toute une série qu'on fait en trio avec Isa et Armelle. Je disais, en rigolant, je disais à Isa, parce qu'elle a déjà fini ses œufs. Les œufs, normalement, c'est celui qu'on fait en septembre. Elle m'a dit, ben, c'est rien. Tu sautes les œufs, tu le fais pas. Oui, c'est une solution. Je le ferai peut-être du coup à la fin. Mais bon, on verra. Je n'ai pas pu travailler donc alors sur les floralies de jardin privé, le sal du Nouvel An, le colibri, et j'ai pas du tout sorti mon estampé la dame celtique. J'ai vraiment, vraiment, vraiment de plus en plus de mal à broder sur l'estampé. Pourtant, il va falloir que je les termine. J'en ai que trois, bon, sans compter la confiture. Mais j'ai vraiment de plus en plus de mal à broder sur les estampés. C'est vrai que moi, depuis que je brode toute petite, bon, déjà quand j'étais toute petite, les estampés, ça n'existait pas. Enfin, si, parce qu'une estampée, c'est comme un canevas. À part que les canevas, on les faisait en demi-croix. Voilà. Donc un estampé, c'est comme un canevas, c'est tout. Ça me fait penser que j'ai un canevas de commencer depuis un petit moment. Il faudrait peut-être qu'un jour, je me remette dessus. on verra. Mais alors, j'avais fait l'erreur sur ce canevas de le faire en croix. C'est pas une erreur. J'ai voulu faire en point de croix. Mais bon, il est toujours pas fini. Il est là dans un tiroir aux oubliettes. Peut-être qu'un jour je le sortirai ou je vous le montrerai et puis je verrai. Ouais, tout ça pour vous dire que j'ai de plus en plus de mal donc sur les estampés. J'ai jamais été de toute façon vraiment. Voilà, oui, couche-toi sur mon carnet, comme ça je vois plus rien. j'ai jamais été fascinée par les estampés. Surtout avec la qualité qu'ils ont. Voilà. Mais bon. Excusez-moi. Donc, je les finirai, hein, je les finirai, mais. Ça m'attire plus beaucoup. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ben, je voudrais bien que Fifi bouge. Je vous montre. Hop là, pardon. Voilà, elle est là. Sur mon carnet. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais cassé mon support. Donc là, je vais remettre ça dans les sacs pour avoir de la place.
Et je vais continuer à vous montrer ce que j'ai fait, mais je vais vous montrer un achat avant. Et après, je vais bouger Fifi parce que j'ai besoin du total de mon challenge pour vous le dire. Et j'ai besoin de mon carnet après pour qu'on tire la roue. À tout de suite, ne partez pas. Voilà, c'est fait. Mon achat. Alors, c'est un achat que je vais vous présenter en détail demain, en vidéo. C'est un carnet de suivi de points de croix. Voilà. Donc, je vous montrerai bien, je vous montrerai en détail. Vous voyez, il y a énormément de feuilles. Je vous montrerai ça en détail demain en vidéo parce que j'ai besoin de vous expliquer les pages, à quoi ça sert, etc. Ce que je vais déjà vous dire aujourd'hui, c'est que ce carnet a été écrit et conçu par Sonia de la boutique. Sonia. Mélanie, pardon, Mélanie, excuse-moi. Par Mélanie, voilà, de la chaîne Diamant Folie. C'est elle qui a conçu ce carnet, enfin. C'est plus qu'un carnet. Vous voyez, il y a énormément de pages. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vous mettrai déjà le lien en barre d'infos. Vous avez deux versions. Donc, je vous mettrai les deux versions. Là, c'est la grande version qui va vous durer pendant 2 ans. Et il y a la version mini qui est faite pour 1 an. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, bien sûr, moi, le lien que je vais vous mettre, c'est le lien français. Mais vous pouvez également le trouver au Canada, tout ça. Puisque, bon, de toute façon, Mélanie est du Québec. Donc, vous pouvez le trouver sur votre Amazon de là-bas. Donc, je vais vous mettre le lien. Pour le trouver, voilà. Alors, un conseil, déjà avant que je vous le montre, un conseil, achetez-le. Vous allez tomber amoureuse de ce carnet. Mais alors, c'est rien à voir avec tous les carnets de broderie qu'on peut trouver. Mais là, vraiment, rien, rien à voir. Celui-ci est super complet, il est bien détaillé, il est. Mais voilà, je vous en dirai plus dans ma vidéo de demain. Je vais vous montrer tout ça en détail. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est de le remplir. Voilà. Donc, je vous remontre la couverture. Et donc, si jamais vous cherchez sur Amazon, si vous n'êtes pas en France, parce que le lien, je vous dis, c'est avec le lien français. Vous tapez le nom de Mélanie, Mélanie Archambault. Je vais vous le noter également en barre d'infos et vous trouverez ces deux carnets et vous pourrez trouver également des livres, des romans que Mélanie a écrits. Voilà, il y en a 5-6, je crois. Moi déjà j'en ai mis un dans le panier de mon Amazon. Voilà, bon, je vais déjà en acheter un. Et je suis sûre que ça, je vais me régaler à lire ses romans. Donc pareil, n'hésitez pas à regarder ses romans si jamais ça vous plaît. En même temps que ça. Voilà. Mais il est lourd, hein? Regardez. Et je vous dis, ça n'a strictement rien à voir avec tous ces carnets de broderie qu'on peut trouver. Et là, ce qui est super, c'est en français, déjà. Donc ça, c'est top. Et voilà. Non, mais il est vraiment, vraiment, vraiment super complet. Donc demain, soyez au rendez-vous parce que je vous
mais la vidéo pour ce carnet également pour vous le présenter en détail. Voilà. Ensuite, bon, on va faire la roue. On va se faire une petite roue. Hop. Donc là, on est samedi. Samedi, samedi. Donc là, c'est dimanche. Non, là, ici, c'est dimanche. Alors, je sais pas, mon carnet, il est parti en. Il est parti bizarre. Mais bon, voilà. Donc, moi, déjà, je me prévois déjà pour le September Sampler. Il y aura, alors, je me le marque en même temps. Il y aura le Long Dog Sampler. Il y aura le Sampler 124 que je fais avec Sonia. Il y aura le Florali. Le Caroline Menning. Mes pans royaux. Et mon Autumn Quaker. Voilà. Hop. Donc, ceux-là, ils sont déjà mis d'office. Maintenant, on va tirer au sort. Fifi, fais pas ça. Alors, attendez. Ah, il y a une pub. On va attendre que la pub elle passe. Pendant ce temps-là, on boit un coup. Allez, les pubs. Oh. En plus, à chaque fois, c'est des pubs Temu. Oh, ça me gave. Mais ça me gave. Voilà. Allez, oh. Voilà, et voilà, excusez-moi. On est parti pour un tour. Ah bah, celui-là, il compte pas, puisqu'il est déjà choisi. Sampler 124. Ah, les ours de Noël, c'est bien. Alors, changer de couleur. Voilà. Le colibri. Bah, le Lily Point il est d'office, donc ça c'est une autre couleur. Ça c'est un obligatoire. Donc hop. Bah, c'est quoi ça? Ah, l'orchidée. L'orchidée de chez La Natte. Demeure de charme. Alors, je suis en train de le démonter.
Donc, pour l'instant, je le mets dans mes obligatoires parce qu'il faut que je termine de démonter. Il y a une grosse partie. C'est une broderie que je fais en duo avec Amélie de la chaîne Dazing et Diamants. Mais comme moi, j'ai eu une grosse erreur, je dois démonter la moitié. Et j'ai commencé. Bon, donc, je me laisse dans les obligatoires. En sachant que ce sera juste pour du démontage cette semaine et je pense que je pourrai recommencer à le broder la semaine prochaine. Voilà. Ben donc son pleur est déjà noté, hein. Donc on l'enlève. Hop. On va y arriver. Ah, l'aquarium. Chouette. L'aquarium de Lucas. Voilà. Allez, encore un petit pour la route. C'est quoi? Ah, ben la confiture, c'est un obligatoire. Donc, hop. Donc celui-là est dans les obligatoires. Quand je parle d'obligatoire, c'est parce que c'est un duo que je fais avec quelqu'un, un duo ou un trio. Et, ah! Des ronds. Voilà. Oh, j'ai encore envie de m'en tirer un, mais bon. Je suis pas sûre que j'aurai le temps. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, ça m'en fait 14, on va dire 2 par jour. Donc, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je regarde, mais non, ça devrait. Oh bah ça... Ah oui, il faut que je le retire celui-là. Ça m'est sorti l'Halloween Quaker, mais je ne le fais plus. Donc celui-là, il faudra que je le retire. Voilà, alors. Hop, c'est bon. Je vous redis ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine. Alors, pour le September Sampler, le Languedoc Sampler, le Sampler 124, le Floral Jardin Privé, le Caroline Manning, mes pans royaux et le Autumn Quaker. Dans les broderies hebdomadaires, mes ours de Noël. Le colibri de poussière d'étoiles, mon orchidée de Lanart, l'aquarium de Lucas et mes hérons de Lanart. Voilà. Et dans mes obligatoires, il y a le lily-point, la confiture, malgré que je suis en retard d'un, mais il faut que je finisse ma confiture de toute façon. Et continuer le démontage de demeure de charme de poussière d'étoiles. Voilà. Il y a du taf, hein? Vous pensez que j'arriverai à tout faire? En sachant. Alors, est-ce que je l'ai noté? Ah ben non, j'ai pas mis le Alice. J'ai oublié le Alice. Mais le Alice, c'est pour le finir. Donc, voilà. Le Alice. Voilà. Alice au pays des merveilles. Ah, pour le finir. Pour finir l'étape. Voilà. Ben, niveau broderie, je vous ai tout dit. Voilà. Je vais vous montrer maintenant où j'en suis sur mon coloriage. Et après, on passera au tricot et au crochet. Voilà. Allez, je range ça et je suis à vous tout de suite.
J'ai encore oublié ma lumière. Alors, vous avez vu la vidéo, très certainement cette semaine, je vous ai fait une vidéo où j'étais en train de colorier mon mandala fleuri. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu parce que je n'ai eu que deux commentaires, mais bon, il y a eu des pouces, donc c'est que vous l'avez vu. Alors, il est presque terminé. Normalement, il devrait être fini cette semaine. Donc, le voici. Je le trouve très beau. Alors, vous voyez, il ne reste pas grand-chose à faire. Tout ce qui est en blanc, là. Ici, une fleur. Celle-ci a terminé. Là, des feuilles. Voilà. Il n'y a plus grand-chose à faire dessus. Alors, je le fais en... Je vous remets la photo, ce sera mieux, parce que le livre est lourd. Je le fais avec des crayons de couleur Prismacolor et des feutres très très fins pour faire les endroits où vraiment c'est tout petit, petit, petit. Là, je prends un feutre très fin pour le faire. Bah, quoi dire? Pas grand-chose, c'est tout. J'aime vraiment le faire. Il est vraiment très joli. Bah, j'ai hâte de le finir, hein, bien sûr. Et après, bah, je recommencerai un autre. Voilà. Je vais peut-être faire un fond, mais je vais faire un fond avec des pastels. Donc, quelque chose de très simple. Je vous montrerai. Et je vous ferai peut-être en vidéo quand je ferai le fond. Je verrai. Voilà. Donc, bon, pas grand-chose à dire dessus. Juste que j'aime beaucoup le faire et puis que j'aime beaucoup le résultat. J'ai choisi de le faire un peu multicolore. Toujours bon, dans les tons bleu, orange et rose. Voilà, c'est les trois tons dominants de ce dessin. Mais voilà, j'aime beaucoup le faire. Et puis bah, maintenant, j'ai hâte qu'il se termine et que je vous le montre terminé. Si je peux, bah, j'espère que pour la semaine prochaine, il sera terminé. Voilà. J'ai vu qu'en allant chez Action cette semaine, qu'ils en ont sorti à nouveau. Mais bon, je ne l'ai pas acheté pour l'instant. J'ai dit, là, j'ai encore beaucoup de dessins à faire dans celui-là. Et puis, c'est encore sur les mandalas. Donc, après, ça fait quand même beaucoup de mandalas. Donc, je vais déjà m'occuper de celui-là. Je ne sais pas combien il y a de dessins dans ce livre. Je n'ai même pas compté, mais... Il doit y en avoir au moins une trentaine, je pense. Donc, j'ai de quoi faire pendant un moment pour celui-là. Et puis, de toute façon, moi, comme je vous avais déjà expliqué, j'ai encore beaucoup de livres de coloriage qui ne sont pas finis. Des coloriages classiques, des coloriages numéros. Mais pareil, les coloriages numéros, j'ai du mal maintenant. J'ai essayé d'en faire. Et c'est que par moment c'est très très petit et toujours à cause de ma vue, bah, j'ai plus de mal à les faire cela. Donc voilà. D'ailleurs, il y en a deux que j'avais achetés, je sais plus lesquels, mais je les ai remis à vendre bah, sur mon groupe de vente de vue d'atelier parce que je sais que je n'arriverai jamais à les faire cela. Donc ils sont tout neufs et je les ai mis en vente dans ce groupe-là. L'adresse est en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, voilà, voilà pour le coloriage. Allez, je vais prendre mes tricots et je vous montre ça tout de suite. Entre deux, je viens vous rajouter un petit bout de vidéo. J'ai oublié de vous donner mon historique de visionnage de YouTube. Voilà. Alors, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, cette semaine plutôt,
J'ai regardé. Alors, je vais essayer d'aller en suivant. Le Floustube 6 de Diamant Folie. Donc, petite québécoise. Toujours super. J'adore son Floustube. Donc là, c'est le Floustube 6 de septembre 2024. Donc, je vous invite à aller le voir. Et si vous ne connaissez pas encore, donc c'est Mélanie, je vous invite à la découvrir, à vous abonner à sa chaîne. J'ai regardé également le Floustube numéro 7. De Dazing et Diamant, c'est le Floustube de d'Amélie, pareil, une petite québécoise que j'adore également. Voilà, le milieu de mois, le 15, le gang des Québécoises font leur Floustube. Donc il y a beaucoup de Floustube à regarder à ce moment-là. J'ai regardé également le Floustube numéro 6 de Diam en rose. Donc là, c'est Sonia. Pareil, plein de projets, plein en cours. Petite québécoise également que j'adore. N'hésitez pas à aller la visiter et à vous abonner à sa chaîne. Là, j'ai regardé la vidéo de Geneviève Once Upon a Thread. J'arrive de mieux en mieux à le dire le nom de sa chaîne. c'est son tout premier Floustube. C'est une toute nouvelle chaîne. Les filles l'ont. Comment on va dire? L'ont tannée, par chez moi on dit ça, l'ont tannée pour qu'elle puisse ouvrir sa chaîne. Donc elle a ouvert sa chaîne, il y avait deux vidéos, une vidéo de présentation, un unboxing, et là elle a fait son tout premier Floustube. Donc n'hésitez pas à aller voir ce Floustube, c'est le Floustube 1 WIP septembre 2024. Pareil, vous allez adorer ses encours, ses broderies et surtout abonnez-vous à sa chaîne parce que c'est un tout petit bébé chaîne. Voilà. Et Geneviève, je t'adore également. Ensuite, j'ai regardé la vidéo de Sabine. Donc de la chaîne Sabrode. Finissons ensemble nos points de croix boulés ou pas. Et info sur Octobre Rose. Elle vous parle dans cette chaîne. Il y a une autre chaîne, j'ai pas retenu le nom, mais il est en barre d'infos sous sa vidéo. Pour une autre chaîne qui organise pour qu'on fait des broderies pour Octobre Rose, voilà. Donc n'hésitez pas à écouter sa vidéo et je sais qu'elle a mis tous les liens utiles en barre d'infos. Voilà. Donc d'ailleurs nous, enfin moi sur mon groupe c'est pareil, j'organise un petit événement sur Octobre Rose. Pour que les filles brodent, tricotent, crochettent, cousent, qu'elles fassent quelque chose pour Octobre Rose. Voilà, pendant tout le mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à aller voir Sabine et à vous inscrire également à sa chaîne. J'ai regardé également la vidéo de l'eau demoiselle. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Et alors là, malheureusement, j'ai pas eu le temps de regarder jusqu'au bout. Je vais regarder le reste demain. Parce que le titre, c'est Je tricote une poule. Et je n'ai pas vu encore sa poule. Donc je verrai certainement demain en regardant la fin de sa vidéo.
Par contre, donc elle, c'est du tricot, hein. Elle tricote tout le temps. Et là, elle a fait sa première broderie, donc en point traditionnel. Et bah, écoutez, c'était vraiment super. Alors, si tu passes par là, je peux te dire que ta broderie était superbe. Voilà. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller voir. Donc, c'est Je tricote une poule, tricot, épisode 133. Voilà. Bah, je crois que c'est tout. Bon, là, j'ai plein de trucs dans mon historique, mais c'est parce que Chouchou a regardé à la télé Artus, Jérémy Ferrari, voilà. Du coup, j'ai plein de trucs comme ça dans mon historique. Et sinon, j'ai prévu de regarder. Alors, attendez, parce que là, c'est pas la même chose. Oui, j'ai prévu. Alors, Maïwenn, elle a fait une vidéo, mais en live. J'ai pas eu le temps de regarder cet après-midi. J'essaierai de regarder le replay demain. Donc, Maïwenn, si tu passes par là, bah, je regarderai le replay de ton live. Pareil, c'est About Maïwenn. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller la voir. Qu'est-ce que je me suis mis de côté à regarder? Oui, Jolie d'épée. Alors là, elle nous a fait une vidéo. Donc, pareil, elle est prévue pour moi pour cette semaine. Elle est un podcast tricot chaussettes. Toutes mes chaussettes tricotées cet été. Alors, moi qui ne sais pas tricoter les chaussettes, mais j'aime bien regarder les chaussettes que les filles tricotent. Donc, Jolie d'épée, je vais regarder ce qu'elle a fait, ses chaussettes, voilà ce qu'elle a fait. J'ai mis également de côté pour regarder. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Oui, bien sûr, Miss Manu au naturel. Je regarde toujours le dimanche souvent. Et là, le titre, c'est Un pull moche, vlog 87. Donc, j'ai hâte de voir son pull moche. Puis après, ben, je regarderai au fur et à mesure. Je vous dirai la semaine prochaine ce que j'ai regardé. Voilà, parce que bon, je suis abonnée à beaucoup, beaucoup de chaînes. Mais bon, je ne peux pas tout regarder non plus. Donc, voilà. Je vous mets en barre d'infos tous les liens, en espérant ne pas en oublier, tous les liens des chaînes que je vous nomme tout au long de la vidéo et puis que je vous nomme ici dans la rubrique de ce que je regarde sur YouTube. Je vous mettrai les liens également. Voilà. Allez, on continue la vidéo. Me revoilà. Bon, je viens de faire la bêtise. D'habitude, je mets ma vidéo sur pause. Et là, en voulant rallumer, je l'ai éteint. C'est pas grave. Alors, niveau tricot. On va commencer par mon pull Armel. Donc, c'est un pull de chez Fildart. Voilà. Alors, j'ai pas avancé beaucoup. Vous voyez? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Bon, c'est pas énorme. Mais voilà. De toute façon, là, j'arrive à l'encolure. Donc après, ça va aller vite. Voilà. Je vous montre de près. Alors, celui-là, il est tricoté avec. Ah oui. Est-ce que j'ai gardé un petit papier? Oui.
Il est tricoté avec ce fil, le fil eucalyptus 100% lyocell. C'est un fil de chez Fildar, bien sûr. Et il est la couleur, c'est lagon. Donc, c'est un fil comme ceci. Oh, par contre, ça se défait quand on a. Voilà, voyez. C'est un fil qui est tissé. Voilà. Alors, super léger, super souple à tricoter. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, cette couleur-là n'existe plus, hein. Il y a d'autres couleurs encore. Il y en reste quelques-unes sur le site de chez Fildar. Donc, voilà. Oh. Vous devinez. Alors aujourd'hui, ils me l'auront fait plusieurs fois. Hein. Les postes pipi, toutou. Alors, vous attendez que je range mon pull. Voilà. Bon, je reviens. Ah là 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 là. Je crois que c'est le dernier pipi de la soirée. Ensuite. Ah ben, le châle. Le châle. Donc là, c'est du crochet. Ah, il a bien avancé encore. Alors, attendez. Là. Et voilà. Alors, voilà mon châle. Donc, j'ai fait. Quoi ça? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis au 7e rang. Voilà. Alors, hop. Ça commence. Il commence à être plus long. Voilà. Mais, hop. Voyez, comme ça. Aussi, hop, je peux déjà un peu l'attacher. Voilà. Là, non, il faut encore un petit peu, hein, parce que sinon je suis étranglée. Mais voilà. Il est frais. Comment je peux dire? Il est un peu frais, mais il tient chaud. Là, c'est du coton, hein. Voilà. Donc là, j'ai encore quelques rangs à faire. Voilà, je vous remontre au niveau du point. J'ai encore quelques rangs à faire, voilà, avec ce fil, donc du pingouin Esterel 3 Lurex. Donc c'est 96% de coton et 4% de polyamide. Le polyamide, c'est le petit brillant que l'on voit dans le fil. Voilà. Donc c'est à 100% coton, hein, voilà. Mais j'aime bien. Alors par contre, c'est du coton, mais du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus lourd que la laine. Mais bon, ça va. Là, il y a déjà. Alors attendez, en haut, il doit me rester deux pelotes.
Je suis à ma sixième pelote. Cinquième. Non, sixième. Ouais, je suis à ma sixième pelote, si je ne me trompe pas. C'est des petites, hein. Enfin, c'est des petites. C'est des pelotes de 50 grammes, mais qui font 105 mètres. Voilà. Donc, mon châle avance. J'espère qu'il sera terminé cette semaine. Ouais, j'espère qu'il sera fini cette semaine. Alors lui, je le fais un petit peu le dimanche matin quand je monte la vidéo, si j'ai pas envie de broder. Et sinon, j'en fais le soir avant de souper. Voilà, je vais le mettre là. J'en fais un peu le soir avant de souper pour avancer. Bon, ça va vite, hein, de toute façon, le crochet. Ensuite, on est bientôt aux 2 heures. Ah, du coup, que j'ai arrêté la vidéo au lieu de la mettre sur pause. J'étais à 41h44. Là, je suis à 1h10, à 10 minutes presque. Ouais, c'est ça. Alors, hop, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est mon fil. J'ai eu peur. Voilà, donc ça, c'est mon pull dufteux. Il s'appelle comme ça. Parce qu'il est dufteux, tout simplement. Alors moi, je l'ai rallongé, hein, parce que sinon, c'est un pull court. Et les pulls courts, moi, il n'y a pas question. C'est pas que j'aime pas, mais j'aime bien sur les autres, mais pas sur moi. Alors là, j'ai fait 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait une douzaine de rangs. Voilà, j'ai fait une douzaine de rangs. J'arrive pareil, j'arrive aux emmanchures là bientôt. Encore, je pense, 5 cm, je crois, et je serai aux emmanchures. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, pareil, hein, il est super doux. Je vous montre. Voyez. Et oui, on voit qu'il est dufteux. On voit le. Voilà. Là, vous voyez bien. Et donc, celui-là, je le fais. C'est un pull Bergère de France. Et je le fais avec le fil Flocon. Alors, c'est un fil qui a 56% de laine, 25% d'acrylique et 19% de polyamide. Voilà. Et c'est la couleur hussard. Alors, quand on le tricote comme ça fait un peu couleur jean. Voilà. Vous voyez? C'est un peu couleur jean. Et comme moi, je suis toujours en jean bleu, je ne mets que ça. Il ira très bien avec mon pantalon. Donc voilà. Là, je vous dis, j'arrive aux emmanchures. La prochaine fois, je pense que vous verrez les emmanchures commencer. Alors. Il manque une aiguille. Attendez. Ah non, elle est là. C'est bon. Allez, je vais remettre le châle dedans. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, le meilleur pour la fin. Vous avez peut-être vu si vous êtes sur mon groupe, j'ai pas encore mis sur Instagram. Alors c'est non, ça c'est le dos. Ouais, voilà, j'ai fini le devant de mon pull fil d'art avec le plastron à trous trous. Voilà.
Je vous mets une photo, hein, vous verrez mieux. Donc voilà, le plastron. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. J'aime vraiment ce que j'ai fait. Je trouve qu'il est vraiment bien. Alors, juste que bah, ce que je pensais, voyez, là, ça se termine là. Ce côté-là, ça fait bizarre, mais c'est ce qui est dans le modèle. Et là, il se termine là. Mais bon, je pense que quand je ferai le montage, on verra plus rien. Mais sinon, voilà. Mais trou-trou, je suis contente. Donc, le devant est terminé. Hop. Ben, le dos, est, vous l'aviez déjà vu, hein, mais je vous le remontre. Donc, le dos, pareil, c'est bon, il est fait. Et du coup, hier soir, alors attends, j'essaye de bien plier pour pas qu'il se chiffonne trop quand même. Hop. Voilà. Et hier soir, bah, j'ai commencé les manches. Alors là, c'est pas. Il était l'heure de souper, j'ai pas fini ma manche. Voilà, j'ai commencé mes manches. Oui, les deux sont sur la même aiguille. Voilà, les deux manches sont sur la même aiguille. Là, il me reste trois. Là, je suis dans mes côtes. Voilà. Il faut que je fasse 5 cm de côte. Et du coup, donc ça me fait 14 rangs. Il me reste 3 rangs à faire. Et après, ben, je commence la mare de jersey des manches. Voilà. Alors moi j'aime bien faire les manches sur la en même temps sur la même aiguille tout simplement bah, parce que ça va plus vite et également comme ça au niveau des diminutions ou augmentations bah, elles sont toutes bien au même endroit. Voilà. Quand j'ai une augmentation, là je vais avoir des augmentations, je crois, ouais. Quand je vais avoir des augmentations à faire, ben, là je vais les faire là et je vais arriver sur la deuxième manche et je vais faire mes augmentations tout de suite. Voilà, donc comme ça, ben, c'est top. Voilà. Et là, oui. Donc je travaille avec deux pelotes du coup, mais il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai commencé mes manches, je suis contente. Voilà. Bon, là, je ne vais pas dire que j'aurai fini les manches hein, la semaine prochaine, ce serait mentir. Je vais essayer de les monter au maximum. Bah, du coup, je suis contente parce que le pull sera fait pour l'hiver. J'avais peur de ne pas pouvoir le finir avant l'hiver. Mais là, bon, il sera fait, il sera terminé avant l'hiver. Donc, c'est trop top. Voilà, je vous montre. Donc là, les manches, c'est que du jersey. Tout simple. C'est une manche avec un arrondi en haut. Donc voilà, ce sera vraiment tip top de le faire comme ça. Je suis contente. Ah oui. Là, je vous ai mis ou je vous ai laissé les photos. J'étais trop contente hier quand j'ai fini le devant. Oh, je fais youpi. D'ailleurs, je vous avais même mis un short. Je vous avais fait un petit short, une vidéo short. Ah, attendez, je me mélange dans mes films et... Hop, viens là, toi. T'es où? Ah, bah oui, je suis bête. Ils sont là, mes pelotes. Chercher après mes pelotes. Hop. Le soir, je remets tout dans les sacs, hein, parce qu'on ne sait jamais, avec les petites papates, là, qui traînent.
voudrais pas qu'il me... qui joue avec mes pelotes. Donc, voilà. Donc, bon, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai fini ce pull. J'aimerais bien que d'ici 15 jours, il soit fini, mais... je ne suis pas sûre. On verra. Voilà. Du coup, j'ai bien avancé mes tricots quand même, je trouve. Mon châle aussi. Lui, j'espère qu'il sera vite fini. Là, bon, s'il pouvait être fini cette semaine, ce serait bien. Parce que vous savez que j'en ai un autre de châle de prévu. Mais là, ce sera avec des fils que j'avais achetés chez Action. Je verrai. J'ai pas encore regardé. Je vais choisir un modèle sur Obi. Il y a plein de modèles gratuits pour les châles. Au crochet ou au tricot, mais là je vais le faire au crochet. Et donc il faut que je regarde sur Obi quel modèle je vais faire. Voilà, parce que j'en avais déjà fait un, hein, de chez Obi, donc je ne vais pas refaire les mêmes. Excusez-moi, j'ai attrapé le hoquet. Donc je verrai. Je vous montrerai de toute façon le modèle que j'aurais choisi de faire. Ben voilà! Bah écoutez, un bon 2 heures, hein, bien tapé. aujourd'hui, bah, au fait, c'est l'automne. Moi, j'adore cette saison. C'est pas peut-être parce que je suis née en automne, mais moi, j'aime beaucoup l'automne. C'est chouette, je rentre dans ma saison préférée. D'ailleurs, vous aurez pu le voir avec l'intro. J'ai changé mon intro, j'ai changé la fin de ma vidéo. Maintenant, elle est aux couleurs de l'automne. Quoi vous dire d'autre? Passez une bonne semaine. Voilà. Pleine de créa, pleine de broderie, de tricot, de crochet, de diamond painting, de coloriage, de tout ce que vous voulez. Si, une petite chose. Vous savez que je mets. Alors, je vais venir vous parler des salles, tout ça, qui sont en cours, qui vont être en cours sur mon groupe. Je vous ferai une petite vidéo pour ça. Vous savez que j'organise un nouveau salle avec le sampler 251, si je ne me trompe pas. Voilà, je vous en ai parlé dans ma vidéo, mes futurs projets. On m'a demandé sur quel groupe j'allais faire ce sale. Tout simplement sur mon groupe. Voilà. Si vous voulez venir vous inscrire sur mon groupe, ben, vous êtes les bienvenus. Alors, par contre, attention, il y a deux, trois questions pour s'inscrire. Donc, je vous demande de répondre aux questions parce que maintenant, on est très nombreux sur le groupe. Et si les personnes ne répondent pas aux questions, ben, je ne les accepte pas. Parce que, bon, souvent, ceux qui ne répondent pas aux questions, c'est des personnes qui viennent après partager des groupes d'arnaques ou des trucs bizarroïdes. Maintenant, obligatoirement, il faut répondre aux questions, au petit questionnaire qui est là pour quand vous vous inscrivez. Et puis comme ça, en même temps, vous pouvez marquer que vous me connaissez par rapport aux vidéos. Voilà, comme ça, je sais que... je sais que je peux vous accepter. Je vous ferai pareil, donc une petite vidéo dans la semaine pour vous expliquer les salles, tout ce qui va se mettre en place. Dans les mois à venir sur mon groupe, il y a plusieurs salles qui vont se mettre en route, dont un super important, j'en dis pas plus. Qui va se mettre en place très très vite là bientôt.
Donc, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Mais de toute façon, même pour ce sale, je vais faire une vidéo spécifique, rien que pour lui. Alors, ce que je peux vous dire, bon, je vais quand même vous dire un truc, sans rien dévoiler, tout ce que je peux vous dire, poussière d'étoile. Voilà. Il vous aurez une vidéo spécifique très bientôt où je vous expliquerai tout. Et voilà. Mais j'en dis pas plus. Même sous la torture, je ne dirai rien. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous, de gros poutous. Je vous fais des grosses caresses à toutes vos boules de poils, les chats, les chiens, les fifi, vous leur fait plein de déchouilles. Mes bébés, ils leur font plein de déchouilles. Voilà, je vous rassure, tout le monde va bien. Et en attendant, ben, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.